bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Roman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel. Mama. Votez pour moi, votez pour la force tranquille. Oui, mais il manque ici, manque un petit truc. Comment j'ai l'impression. Bon, appuyez-vous, prenez et puis vous vous appuyez un peu sur le fer pour que le peuple sache qu'il peut s'appuyer sur vous. Comme ça, voilà. Oui. Comme ça. Ah, et puis maintenant, après, vous faites. On va sentir un peu sur ça. Ouais, ouais, d'accord. C'est-à-dire que tu es la béquille du peuple. C'est-à-dire comme le peuple boite, voilà, il s'appuie sur toi. Donner l'illusion. D'accord. Ouais, ok. Voilà. D'accord, donc je le prends. Oui. Non, mais si je peux me permettre, oui. Tu fais quoi avec ton téléphone portable? Ah oui. Non, on peut m'appeler. Comment ça? Pendant le spot? Eh bien, si le peuple a besoin de moi. Le peuple. Il faut que je sois. Ça, j'ai jamais vu ça. Aïe. Il faut que je puisse répondre à tout moment. Toujours pendant les réunions, tu as ton téléphone. Et non, c'est là que tu te réveilles. C'est pas pendant beau, le sport. Hein. Dans une le visuel, c'est pas beau. Ah. Oui. Non. Et puis comment je donne lui le téléphone. Oui. Ton geste là, sur ta fiche là, ça là. Fais-le avec le téléphone, je veux voir. Ah non, c'est quasi impossible. Non, ça ne marche pas. D'accord. Okay. Faut m'écouter, faut me payer. Ok. Je prends dans ton salaire, là, directeur de campagne. Non, faites pas ça. Absolument. Allons-y. Votez pour moi. Parce qu'en votant pour moi, vous votez pour la force tranquille. Waouh! Non, c'est impeccable. C'est bon, hein? Oui, moi j'apprécie. Je valide. C'était vraiment bon. Et puis le sourire à la fin. Même pour les gens, je ne peux pas avoir sourire. Tu m'attaques? Non, en fait, c'est une manière de dire que c'était bien. Bon, alors non. C'était bon, très bien. Moi j'allais dire c'était que c'était bien. Oui. Mais on t'a dit, tu dis. Votez pour moi, la force tranquille, et puis tu t'appuies sur le truc. Toi, tu as fait l'inverse. Non, c'est ça. De s'appuyer d'abord c'est ça, pour que le peuple s'appuie pour la force ça tranquille. Ça marche mieux comme ça. Ah, tu t'appuies d'abord, après tu fais. Et puis maintenant, je termine par la photo de l'affiche. Ah oui. Ah, autant c'est pour très, moi. Très bien. Ah voilà, tu vois, président. Tu vois. Non, là, non vraiment, c'était ça, bien. C'est, c'était bien. Je suis époustouflé. À mon avis. et voyez le peuple sent que vous avez du charisme. Et quand c'est comme ça. Charisme. Ça s'écrit avec CH. Non, c'est, charisme. C'est T'as dit, lui et Boukari, là, je ne sais pas qui va entrer. Ah non, non, ah, c'est à moi que tu dis ça. Oui. Qui les a recrutés? Mais c'est toi? Non, parce que c'est pour faire des économies. Oui, mais d'accord. Bon, en économisant, tu vois que finalement, bon, on devient des instituteurs. C'est pas de ça qu'on parle, on doit aller tourner le spot. Donc, ton... Non, mais je pense que ça va aller. T'es sûr? Oui, parce mais que là, vraiment... à quelques deux, trois détails, mais ça va. Non, mais moi, je trouve que c'était bien. Tu as vu, avec tout le côté en bois... Non, c'était très, très bien. Le début, vraiment, c'était pas comme je voulais attaquer, en fait. Mmh. Voilà. Pourquoi? Non, parce que j'avais un petit stress, mais bon. Mais non. Tu vois, Mais au fil, on a fait plusieurs prises. Moi, j'étais trouvé vraiment bien, naturel. Ça me trouvait pas. Voilà, c'est le digue qu'on connaît. Oui, un café pour moi, Clarisse. De l'eau, moi, juste de l'eau. Moi, j'attends. Je t'ai trouvé normal. Tu vois, comme je te connais, tu vois, je serais ton électeur. Je serais ton électeur, je verrais le spot. Je sais qu'on ne m'a pas vendu une imitation. Ouais. C'est le vrai Dibeu. Non, en fait, c'est peut-être moi qui oui, suis un c'est peu ça, trop c'est ça. Exigeant. Parce que tu veux la perfection, ouais, c'est vrai. Non, et puis Kabore, vraiment, ton directeur de campagne, je l'ai bien choisi. Il n'est pas mal. Il bavarde trop, mais il n'est pas mal. Non, mais là, il t'a donné des bons conseils. Donc, ça... Merci, madame. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Mm-hmm. Qu'on soit bien d'accord. On va faire chacun une série de 10 spots de campagne. D'accord. Tous les trois jours, on va bombarder les réseaux sociaux, la télé. Comme ça, on est dans l'esprit des gens. Mm-hmm. Les adversaires n'ont pas à respirer. Voilà, comme ça. Ils vont avoir toujours du nouveau. Exactement. Télé, réseaux sociaux, les journaux, les affichages. Surtout les réseaux sociaux. Mais bien sûr, maintenant, tout le monde est là-dessus. C'est ça qui marche. Regarde, avant, quand tu appelais pour parler à quelqu'un au village, il fallait appeler deux jours avant.
pour dire qu'il soit chez le commerçant le seul qui a un téléphone fixe. Ah. Oui, oui, bien sûr. Tu dis à Moussa de venir, dans deux jours, j'appelle à 11h45. C'est ça, c'est ça. Là, maintenant, tous, ils t'embêtent par WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Donc, ils vont nous trouver. Ils vont nous trouver. Donc, après, maintenant, Charlotte, on va tourner ton spot. Ici. D'accord. Ouais. Ici vois, okay. Charlotte m'a dit qu'elle veut un cadre agréable. Ouais. Ah, ça, c'est agréable, bon. tu vois, avec une vue, avec l'eau à côté, c'est bien, ça te plaît. Ouais. Ça te rappelle un peu Los Angeles, non? Bon. Mais si, les gratte-ciel et tout c'est... Bon, pas vraiment, mais bon. Pas vrai, c'est ça. Oui, pas vraiment, mais un peu, un peu quand même. On attend Alexandra et puis on commence, elle va te donner... Je vous ai pas dit... Quoi? Alexandra a voyagé ce matin, hein. Elle est allée à Los Angeles. Charlotte, tu savais bien qu'on devait tourner ton clip ici. Ah oui, je savais, mais tu sais, j'ai commandé des perruques, voté Charlotte, des ongles et tout ça, parce qu'il faut qu'on carbure pendant la campagne. Non, mais il faut qu'elle soit là pour te donner des conseils. Mais non, j'ai déjà tout arrangé avec elle au téléphone ce matin. Non, Charlotte, non. Regarde, on a déplacé l'équipe technique qui est là. Oui, on ne va pas improviser quelque chose. Non, enfin, je peux improviser quelque chose, mais on a travaillé quand même ce matin. Il te faut une direction à tes toi, tu ne peux pas lui prêter Kabolé? Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais là, il est en train de discuter avec les gens qui m'ont... T'ont filmé, hein? M'ont filmé pour tout le à montage. L'heure. Oui, pour le okay, montage. Ok, on va l'appeler quand même. Boukari, appelle Kabolé, le directeur de campagne, là, qui est en rouge, là. Il est en train de discuter avec le monteur. Appelle-le. Oui, il te faut une direction artistique. Bon, si vous insistez, hein, mais sinon... Tu as vu tout à l'heure comment il a mené... C'est vrai que c'était bien. Oui, hein, oui. C'est vrai que c'était mais Charlotte, bien. En fait, le problème, c'est que tu c'était comme moi tout à l'heure. Tu ne peux pas... toi-même t'auto-juger, tu vois, c'est voilà. C'est donc c'est ceux qui sont en face de toi qui te voient, bon, surtout quand il y a un spécialiste, ça va. Non, mais j'avais pas pensé à ça, je me suis dit, bon, comme j'ai discuté avec elle au téléphone, c'est difficile, bah, c'est difficile. Ah, Kabolé, ok, Digbeu accepte que tu diriges Charlotte pour le tournage de son clip. D'accord. Et tout, donc... Comment ça, clip? Le clip? Un clip? Mais pourquoi? Moi, je ne suis pas chanteuse. Mais non, il ne faut pas entendre clip, pas forcément chanson. Oui. Et voilà, tout ce clip de campagne. Mais oui, on dit vidéoclip. Oui, ça, c'est pour les chanteurs. Oui. Mais nous, on dit clip de campagne. Non. Moi, clip je de pas, sensibilité. Non. Moi, je ne fais pas clip. Non, d'accord. Tu veux qu'on dise quoi? Spot. Oui, un spot. Voilà. Un spot. Voilà, ok, spot. Wow. Donc, tu choisis Charlotte. Clip. D'accord. J'ai vu Tina Turner. Ah, je te jure, directement, j'étais partie. Ah, hein. Tu as vu un clip de Tina Turner. À son époque, les clips n'existaient pas. Président. Ah, pour sa coiffure. C'est vrai que c'est vrai, c'est bien, mais je sais pas. Non, il y a la table là-bas. Si elle veut tourner ici ou là-bas. Attends, je trouve c'est où est-ce très, que tu vas vert. Tourner? Attends, laisse-la choisir l'endroit où elle veut tourner. Oui, mais j'y arrive pas parce que regarde, c'est, les plantes c'est joli, mais c'est je trouve que c'est trop aligné comme ça. Charlotte, comment ça trop aligné? Charlotte, c'est toi qui m'as dit tu veux être dans l'air pour être proche de tes électeurs. Oui, mais c'est tu veux, vert. Tu veux qu'on enlève les plantes? Non, mais les plantes sont bien, mais c'est trop vert. J'avais parlé de quelque chose de coloré quand même. On a qu'à baisser peinture dessus. Ah, lui, il ne faut pas qu'il s'approche de moi. Hein. Sa tenue trop bleue, ça ne me va pas autant. Moi, je ne supporte pas ça. C'est moi qui te paye pour mon spot. Tu veux un peu de couleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Un peu comme ça? Oui, c'est pas mal, mais ce n'est pas assez, tu vois. On a une vue de l'eau derrière. Oui, mais on peut rajouter... Ah, voilà. Voilà, on peut par exemple rajouter ça. Je pense que si on rajoute ça... Ça peut le faire. Tu veux tourner ici? Je pense que si on fait ça et que tu... Voilà, tu vois, tu passes ton message entre la les couleurs. Vide. Oui, je sais. Mais on le garde ou quoi? On te met de l'eau? De l'eau? On met de l'eau? De l'eau peut-être. On te met de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, très rapidement. Ah. Ça, c'est très bien, ça. Voilà. Je vois que ça, voilà, ça tu as de la couleur. Tu as de la chance, hein. Tu as le directeur de campagne et le candidat lui-même qui te dirige. Oui, mais non, attends, c'est mon collègue... Il est, voilà, il est donc à toi maintenant de voir, de diffuser ton message. D'accord. Quelqu'un peut essuyer ça, s'il vous plaît? Parce qu'on ne sait jamais, avec la poussière... C'est ton spot, c'est pas notre spot. Oui, il faut que tu sois à l'aise. Absolument. Moi, la poussière, je suis vraiment allergique. Merci. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon, je crois. Enfin... Mais on va vous retoucher un peu, parce que là, c'est un peu, vous triez beaucoup trop. Maquilleuse, voilà, venez rapidement.
Ah non, 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 tu me touches pas avec ton pinceau là. Hein? Mais Charlotte. Ah non, président. Moi, j'utilise des pinceaux avec des poils de vison. Charlotte, ça veut dire quoi? Le vison, c'est une espèce en voie de disparition. Elle est protégée. Oui, mais on les élève maintenant, hein, tu sais. Tu fais quoi avec poils de vison? Charlotte, vision, je ne sais pas. Vison. Ok. D'accord, d'accord. Bon. D'accord. De toutes les manières, tu as un teint, mat, éclatant. Oh, merci, bien. Président. Non, on va y aller parce que le soleil pointe. Ok. D'accord. Donc, vous voyez, madame? Oui. Visez la caméra. Là, okay, comme voilà. Ça. Oui. Vous visez comme ça. Ok. Ok, c'est bon? C'est bon, l'équipe technique pour vous. C'est, hein. Bon. C'est bon? Non, non, attendez, attendez. Ah oui, oui, oui. Ah. C'est quoi ça? Charlotte. Ah, Alexandra, elle travaille, hein? C'est quoi ça? C'est un t-shirt à ton effigie. Bah oui, votez. Charlotte, tu as un t-shirt? Bah oui. Vous n'avez pas de t-shirt? Où sont mes t-shirts? Ah, on a commandé ça. Et alors? J'ai dit, il faut donner l'argent. Le monsieur là-bas, on est parti la voir. Il dit que bon, si on n'a pas donné l'argent, il va envoyer ça après la campagne. Poucari, l'argent, quoi? Pourquoi tu me regardes? Non. Non, non, mon candidat, c'est, le miel n'a pas besoin de publicité. Non, c'est déjà doux. Alexandra, elle travaille bien. Il faut lui dire, il faut le négocier. Dur, Alexandra. On va le payer après la s'il campagne. S'il vous plaît, on est là pour le spot de Charlotte. Voilà. C'est voilà. Pas mal. C'est maintenant, pas mal. Votre organisation interne, là, ne mélangez pas oui, le spot. Oui, c'est vrai, il fait chaud, hein, on y va. On va y aller. D'accord. Madame, vous êtes beaucoup trop. Attendez, s'il vous plaît, on peut faire moins de bruit. Oui, mais quand même... Tu vas voir les Chinois. Oui, c'est moins cher. Concentrez-vous. D'accord, okay. Ça va. Regardez dans l'objectif, ok? Ou tout droit dans l'objectif, oh là là, 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 là écoute, toi, tu parles pas sur ma tête. Recule là-bas. Charlotte. Mais c'est qui ça? Tu peux pas... Oh. C'est difficile. Viens. Ok, on se concentre. Oui, maintenant. Bien on sûr. Concentre. D'accord. Moteur. Son mari est général. Moi aussi. Action. Votez Charlotte, une femme de général pour les femmes. Ça va? Non. C'est tout? Non, j'ai un souci parce que Charlotte, il faut respecter c'est les ça, autres. Hein. Continue là. Tu peux utiliser ça? Ben oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Enfin, moi je pense à enfin. À la fin. Oui. Ah, à la fin. Enfin, tu vois. D'accord. Cache-le. Ah, je cache-le. Je le mets là. Sur tes cuisses, comme ça. Là, comme ça. Voilà, on le voit pas. Mais là, c'est sûr. Tu fais le travail de cabouret. Oui, mais il fait pas son travail. Je suis en train de le faire justement, madame. Moi, je t'écoute. Hein. Là, c'est mieux comme ça. On le voit pas. Et ça marche. Il sort comme un cadeau de fin. Exactement. N'oubliez surtout pas. Oui. Prononcez bien le prénom. Moteur. D'accord. Ça tourne. Action. Votez Charlotte, une femme de général pour la place de la femme gondouanaise. Et, surprise, en votant Charlotte, vous aurez un t-shirt dédicacé, bien sûr, à 100$. Votez Charlotte. Votez Charlotte. Ça coupe, très bien, ça dans la boîte. Je crois que ça, c'est bon. Hein. C'est vrai? Ça, ouais, c'est mais, bien? Mais je crois qu'au montage, on va enlever 100$. On va enlever son t-shirt. Quelqu'un qui doit aller voter pour toi, il va payer 100$. Oui. Mais les t-shirts, on les a commandés cher. C'est ta hein. Campagne ou bien c'est sa campagne? Ça vient de Los Angeles. Oui, mais hein. Ça peut lui porter préjudice. Non, c'est pas ton problème. Non, mais ça, attends, parce que tu as je sais pas. Regarde, lui, il vote déjà pour toi. C'est la même couleur que ah, toi. Ah oui, hein, on aura bien dit que. Quelqu'un peut venir chercher ce chiffon-là? Boukari. Merci. Pourquoi moi, j'ai pas de t-shirt? Merci. Je t'ai dit d'aller voir les Chinois. Moi, tu peux me reculer. Non. On te dit. Les gens n'ont qu'à quitter loin, là. On n'a qu'à faire ça ici. Oui, mais eux-mêmes, c'est loin, ça vient vite. Ils travaillent vite. Donc, va négocier. Moi, je veux des t-shirts. Jaune en plus. Tu sais, c'est ma couleur jaune. Hein. Je dois faire ton travail. Bon, c'est bien, c'est Charlotte. Hein. Oui, ça s'est bien passé. Hein. Ah non. Non, c'était pas. Non, rompez. Tu t'appelles pas Charlotte, là. Non, mais le coup du t-shirt, mais je suis soufflé, hein, oui, Charlotte. Ah oui, bien. Ah oui, Alexandra. Depuis quand est-ce que tu as commandé ça? Ah, mais c'est des idées d'Alexandra. Ah, moi, je savais même pas qu'on pouvait commander ce genre de torchon. Ça... Las Vegas, Los Angeles encore? Oh, ça vient de LA. Ça vient de LA, mais je sais pas où ils ont fait l'impression, mais elle travaille super bien. Tu peux me donner un t-shirt là, je vais regarder comment tu as fait. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci, il y a plein de cartons là dans les bureaux. Comme ça, j'enlève voter Charlotte. Là, moi, dans ma région, là, c'est pas. Mais c'est ma couleur. Avec l'eau de Javel, ça va devenir jaune. Dans ma région, là, un t-shirt, tu ne peux pas gagner. Pourquoi? Il faut donner quoi? Tout par la pluie. Les parapluies. Ah oui, ils aiment les parapluies. Oui. Pourquoi? Là-bas, c'est les parapluies. T'es la forêt, c'est toi. Tu donnes les. Mais il pleut. Ils aiment les parapluies. Donc, si tu donnes parapluies. Non, c'est fini. Chez moi, si tu donnes t-shirt, tu ajoutes un sac de riz. Ah bon? Ben oui. Ah, moi, j'ai fait venir un conteneur. Hein. De sac de riz? Oui. Pourquoi tu nous dis ma pas ça? Ma président, toi, tu dis jamais ta stratégie. Chez toi, c'est qu'est-ce qu'ils aiment là-bas? Moi, ils m'aiment.
Ouais, c'est tout. C'est tout. Si ils te voient, tu leur donnes une de tes photos. De la photo, ils savent, il y a mes photos partout. Parce que moi, je suis tellement sûr de toi, tu as peine. Non, c'est ça que vous souhaitez. C'est ça que nous, on veut que tu bouges. Nous, on veut que tu te bouges un peu. Ah, que je me bouge, oui, pas bouge. Parce que. Quand je regarde ton directeur de campagne. Non, c'est pas de ça en plus. Dave, il est où, Gou? C'est vrai. Hein. On doit tourner son spot. Salut, quoi, ça? Gou n'a pas l'habitude d'être en retard. Hein. Non, mais non, moi, j'ai vu sa voiture. En tout cas, bon. Dans le parking, là? La voiture qui roule cette semaine. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas s'il est parti avec une autre voiture, mais peut-être qu'il est dans son bureau. Non, il ne peut pas être dans son bureau. On a vidé tous nos bureaux du Parlement, là. On a tout amené au QG là-bas. Il est là. Qui, Gou? Oui. Mais Gou, ça veut dire quoi ça? Oh, tu es en retard, c'est pas ta déshabitude. Hey, Gou, bonjour. Gou, voici ta place ici, on t'attend depuis tout à l'heure. Tu passes ta lettre, t'asseoir là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, café là. Mais ça veut dire quoi ça? Quel café? Tu dis même pas bonjour, tu vas demander café. Mais ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bonjour. Tu vas finir. C'est quoi son problème? Il a quel problème? C'est quoi? Ou bien PSG a perdu encore? Garde à vous. Rompé. Qu'est-ce qui se passe, soldat? Président. Ouais. C'est ce que je viens de voir là, vraiment, c'est pas bien. Hein. Quoi? Le bobo de Gou là, il est en train de pleurer comme ça. Il pleure, il est seul. Oui. Mais il est assis à la porte là. À la porte du Parlement. Il est assis seul dans un coin, il pleut seulement. Hé hey. Ah, non, c'est pas bon, hein. Quand Bobo qui pleure là, vraiment, quand tu vois ça fait rire, ça mais fait il t'a dit quoi vraiment. Il t'a dit quoi? Mais je lui ai demandé, il parle, moi je comprends pas. Tu comprends? Ce qu'il dit là, il est assis pas. Devant le Parlement en train de pleurer. Le petit coin du Parlement là, quand oui. Tu rentres, oui. Il y a un petit coin là. Il est assis seul là-bas, il ne fait que pleurer. Wow. Ton directeur de campagne est dehors devant le Parlement en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui as fait quoi? Ben, il n'a qu'à pleurer. Il pleure parce que je l'ai viré. Voilà. Oui, tu as viré ça. Ton directeur de campagne? Je l'ai viré. Je ne suis pas libre de le virer. C'est mon directeur de campagne. Je le vire. Quand je veux le virer, je le vire. Et je l'ai viré. Gou. Voilà. Gou, tu ne peux pas le virer parce que c'est un duo qu'on a embauché. Je m'en fous. Garde à vous. Dégagez. Ça veut dire quoi ça? Gou. J'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. C'est moi qui l'ai trouvé pour je vous. M'en fous, c'est moi qui l'utilise. Et puis c'est un duo, vous êtes tous les deux. Ça, c'est pas mon problème. Donc tu handicapes ton si collègue. Si t'intéresses tant, prends-le. Non, il m'intéresse pas. Mais moi, j'ai pas besoin de lui. Moi, j'ai Boukari déjà. Mais je m'en fous. Tu peux pas virer et l'autre. Je l'ai viré. Point. Et Kaboré, comment il fait alors? Je m'en fous de Kaboré. Et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais attends, ça veut dire quoi ça? Tu n'as pas besoin de directeur de campagne. Comment tu vas faire alors? Je fais rien. Et tu vas pas faire campagne? Je fais pas campagne. Donc tu n'es plus candidat? Oui. Tu même si je suis candidat, je fais pas campagne. Non. Tu n'es plus candidat. Si tu n'es plus candidat, tu seras plus parlementaire. Si tu n'es plus parlementaire, tu seras plus dans le bureau exécutif. Je suis dans le bureau exécutif. Non, monsieur. Non. Tu étais. Tu étais. Je suis dans le bureau exécutif. Non. Mais j'ai dit, je fais pas campagne. Parce que moi, je comprends pas campagne. On dit, ouais, venez faire clip. Vous, attends. Quand vous me regardez là, je ressemble à un chanteur de coupé de calais ou bien de rap. Mais où est le moi, rapport? Moi, je vais m'arrêter pour faire clip comme un enfant. Mais où est le rapport? Moi, je ne fais pas clip. Moi, je vais venir me mettre devant les enfants pour chanter. Moi, je ne fais pas de clip. Moi, j'allais faire campagne, et puis j'allais faire bain de foule, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un. Et puis j'allais faire atou, et puis faire accolade. Nyanka. Mais c'est tes électeurs? Je m'en fous. Tu leur dois ton siège là. Et c'est... pourquoi? Parce que si tu ne votes pas, tu ne vas pas au Parlement. Hein. Mais ils vont me voter. Ils sont obligés de me voter. Pourquoi? J'ai dit, ils sont obligés de me voter. Ils vont me voter. Tu as dit tu ne fais pas campagne. Donc tu n'es plus candidat. Je suis plus candidat. Hein? Tu n'es plus candidat. Si tu n'es plus candidat, ça veut dire que tu ne seras plus premier vice-président. Oui. Je suis premier vice-président. Non, il n'y a pas un Wawara qui va m'empêcher d'être premier vice-président. Tu vas perdre ton poste. Je ne perds pas mon poste. Si tu n'es pas parlementaire, comment tu peux être. Je suis parlementaire. Qui a dit que je ne suis pas parlementaire? Tu n'es pas candidat. Je suis candidat. Je suis candidat, mais je ne fais pas de sport.
Vos clips là, je ne fais pas. Non, tu as dit que tu n'es pas candidat. Je suis candidat. Non, tu as dit que tu n'es plus candidat. Tu n'es plus candidat. Tu as dit. Oui. Tu l'as dit. Bon, c'est moi qui ai dit. Hein. Oui. Voilà, je peux dire autre chose. Bon, en tout cas, si tu ne fais pas campagne, tu n'es pas candidat. Et si tu n'es pas candidat, tu ne seras pas parlementaire. Je suis parlementaire. Et on verra le premier Wawara qui va m'empêcher d'être candidat. Attends, tu crois que c'est comme pour être chef de village de chez toi là-bas? Il y a des lois, monsieur. Mais il est fatiguant, ce gars. Non, non, mais franchement. Fatigue les gens. Sais, mais va lui parler. Quand tu le regardes, on peut lui parler. Quand tu regardes sa figure, on peut parler à lui là. Non, mais attends, on a investi. Yann lui dit quoi? Bon, à ton avis, Yann lui dit quoi? Je sais pas, c'est toi. C'est vous. Moi, j'ai pas besoin. Vous êtes ensemble dans vos magouilles là. Ah, aujourd'hui, on est ensemble? Oui, dans vos magouilles. Toi, c'est pas ton ami? Oui, mais. C'est pas lui qui fait les cachets. Mais là, ce n'est plus l'amitié. Là, c'est professionnel. Alors, c'est pas à cause de votre amitié, tu l'as mis premier vice-président. Maintenant, il faut assumer. C'est toi, ton premier vice-président, qui est fâché. Faut aller assumer. Go. Il est fatigant. Regarde. Là, ce n'est plus le président qui vient te parler. C'est ton ami qui vient te parler. Ne casse pas une amitié comme ça. Ne casse pas une équipe, le bureau exécutif. On est tous ensemble depuis toutes ces années. Comme ça, tu vas casser. Parce que Go, si tu ne fais pas campagne, tu n'es pas candidat. Et si tu n'es pas candidat, tu ne seras pas parlementaire. Hein. Tu vas perdre ton siège. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever au Parlement. Si, il y a quelqu'un, la Constitution. Quelle Constitution? Mais la Constitution dit qu'il faut faire campagne pour être parlementaire. La Constitution ne nous oblige pas à faire la campagne. Moi, même si je suis candidat, si je ne fais pas campagne, je vais gagner. Je n'ai pas besoin de faire vos trucs bizarres, bidon là. Mais je ne fais pas. Si je dis je ne fais pas, il n'y a pas quelqu'un, aucun Wawara ne peut m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Non, je suis un grand garçon, je sais ce que je fais, oui. Je sais ce que je veux. Oui, je sais, tu es un grand garçon, d'accord. Regarde, je suis venu, je me suis mis vraiment en bas de toi, alors que normalement je suis ton président. Je me suis mis en bas de toi pour venir... Il faut quitter en bas. Cool. Il faut quitter en bas, parce que ce n'est pas la peine de te fatiguer. Mais tu as cassé l'équipe du bureau exécutif. Mais former une autre équipe. Sans toi. Je suis dans le bureau exécutif, mais je ne fais pas campagne. C'est difficile à comprendre ça? Si, c'est difficile, je n'arrive pas à comprendre. Ah ben là, je suis désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé. Voilà, je ne serai pas avec vous. Faites ce que vous voulez. Go, s'il te plaît. Je ne serai pas avec vous. S'il te plaît, regarde, c'est la première fois que je te dis s'il te plaît. Non, non, non. Retire, s'il te plaît, là, parce que je ne vais pas venir. Charlotte, va parler au gars. Non, moi, j'y vais pas. Mais il dit qu'il ne veut plus être candidat. Charlotte ne peut pas venir. Charlotte peut faire. Quand moi j'ai eu des problèmes, non, et puis j'ai dit à Charlotte, va parler à ton mari général, il va m'aider à régler mon problème. Charlotte, elle reste. Je lui ai parlé. Elle n'a même pas bougé d'un seul iota. Ça va, maintenant tu vas te mettre à pleurer. Charlotte, elle a. Attends, Charlotte, tu n'es pas allé parler à ton mari. Elle n'est pas allée parler à ton mari. Elle n'a pas parlé à son mari. Non, lève ta main. Tu n'es pas allé parler à ton mari pour négocier le problème de Gou. Mais si, je lui ai parlé, ton problème a été réglé. C'est pas réglé. Ça n'est pas la solidarité, Charlotte. Non, mais... Président. Attends, son ami... Quel problème? Mais son ami... On a des trucs à régler. Charlotte, levez-vous, laissez ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Charlotte, viens. Charlotte, viens là. Les malades sont là. Ah oui. Mais toi aussi, tu exagères, on ne peut pas t'aider. Bien. Alors, Charlotte, vice-présidente numéro 2, vice-présidente numéro 3, voici... Pourquoi on ne veut pas être candidat? Vous insistez pour... Je ne sais pas. En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés pour la bonne tenue de la campagne électorale pour laquelle vous êtes candidat, le premier acompte des frais de campagne. Oui. Tu sais bien que Charlotte n'aime pas cette matière-là. Ah oui, j'ai même pas fait attention. Ah ben, je la garde pour moi. En bon président, je la garde pour moi, je me sacrifie. Ah bon, alors, Charlotte, voici la mallette que tu connais en peau de daim. Oui, j'aime. Espèce protégée, quand même. C'est doux. Mais c'est surtout ce qui est dedans qui est doux. Absolument. Alors, vice-président numéro 2, tu as le choix des armes. Non, choisis. Tu me donnes ce que tu me donnes. Mais je te donne la main droite. Voilà. Elle porte bonheur. Alors, ça, donc, c'est les frais de campagne pour mener campagne bien, honnêtement et tout, sans dépenses inutiles et qu'on fasse bien campagne. Donc, et celle-là, normalement, c'est celle de vice-président numéro 1. C'était, puisqu'il ne veut plus être candidat. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va partager équitablement en 3. D'accord. Pour notre campagne. Oui, oui. Voilà. Bon, donc, je vais partager ça. D'accord, on va partager en 3. Je vais partager. Tu vas partager quoi? Dis-moi, tu es malade. Mais tu fais. C'est quoi ton. Malade. Tu parles. C'est ta malade. Mais tu n'as pas dit que tu n'es plus candidat. Oui, tu as dit que tu n'es plus candidat. Tu ne fais plus campagne. Qui a dit? Moi. Ça, c'est les frais de campagne.
Oui, mais donne-moi ma mallette. Non, non. Comment non? Ah comment non, ça non? Si tu ne fais pas campagne, tu n'as plus de mallette. Tu n'es plus dans le bureau exécutif. Nous, on est en train de travailler. Oui. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi? Non. Moi, alors, je vous ai dit que je ne fais pas campagne. Bon, s'il te plaît. Tout à l'heure, s'il te plaît. Tu as on dit. En réunion. Oui, c'est le bureau exécutif. Oui, mais non. La réunion nous concerne tous les deux. Non, président. Là, c'est le bureau exécutif. Oui, mais je fais partie du bureau. Vice-présidente numéro 1. Numéro 1, c'est moi. Non. Président, la nouvelle stratégie que tu voulais mettre en place, c'était quoi? C'est qu'on va d'abord partager. Cet argent, mais et on va aller d'abord se reposer à Saragosse. Vous avez déjà à Saragosse ou pas? Moi, je suis jamais allé là-bas. Saragosse, c'est en Espagne, c'est une ville, c'est extraordinaire. Tu viendras avec nous. Donc, comme on est trois, l'argent est. Prudence, en fait, ne tenez pas compte de ce que j'étais en train de raconter. Moi, excusez-moi, voilà, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, Dao. Bon, attends, il y a un intrus. Non, attends, on va l'écouter. Allons, viens te confier à moi. Viens. Moi que tu vois là. Viens. Pas de magouille, on veut entendre. Hein. Ouais. D'accord. Tu veux quoi? Voilà. Honorat Doué. Moi que tu vois là. Faut pas prendre en compte ce que j'ai dit là. Tu vois? Si tu veux. Comment tu peux parler comme ça? C'est ça, moi-même, je comprends pas. Je te jure que Dibé, je ne suis pas responsable de ce que je dis. Comment ça, tu n'es pas responsable? Voilà, c'est ce que je vais t'expliquer. Tu vois, depuis que j'étais petit, quand les sorciers de mon village, là, ils m'ont lancé un sort. C'est ce sort-là, souvent je suis assis et puis il y a des paroles qui sortent de ma bouche. Moi-même j'écoute, hein, mais je ne sais pas d'où ça vient. Or, on dit ça sort de ma bouche. Oui, mais dans ton sort-là, tu ne sais pas que c'est le président qui est là? Non, moi quand je le vois, je sais que c'est le président. Quand tu es dans ton sort-là. Tu sais que c'est président, non? Moi, je sais, mais les esprits ne savent pas. Oui, mais pourquoi tu lui parles comme ça? C'est pas moi, c'est ce que je te dis, Honorat Doué. C'est pas moi-même qui parle. C'est la bouche qui sort des trucs. Mais moi, franchement, je ne suis pas responsable. Là, il est très fâché. C'est les sorciers, là. Là, il est très fâché. Mais attends, même si c'est toi, tu es fâché. Même si c'est à moi, on a parlé comme ça, je vais me fâcher. Je suis furieux, je suis furieux. Hein? Voilà, il est furieux. Dis-lui que je suis furieux. Mais tu vois, il n'est même pas fâché, il est furieux. Oui, mais il faut lui demander pardon. Donc maintenant tu décides quoi? Je décide, c'est-à-dire, moi j'ai décidé quelque chose. Je suis candidat. C'est-à-dire tout ce que vous voulez faire là. Moi je suis partant. Pourquoi tu as renvoyé Alain Lucas? Alain, oui. je vous explique après. Non? Je vous explique après. Bon, donc il faut le reconduire. Parce que si tu ne le reconduis pas, ce n'est pas normal. On ne va pas le payer cadeau. Parce qu'on doit le payer forcément. Il a signé son contrat. D'accord, je vais le reconduire. Oui, il y a ma signature au bas de ce contrat-là. Hein? Il y a ma signature, donc ça m'engage. Est-ce que j'ai dit que je ne vais pas le conduire à la Lucas? Alors, j'ai parlé au président. Je vais le reconduire. Alors, j'ai parlé au président. Mais hein? Tu connais le président. De toute façon, tu l'as énervé, là. Oui. Tu vas prendre un petit pourcentage sur ton argent. Un pourcentage? Oui, tu l'as énervé. Je vais lui donner un peu. Voilà. Non, je vais prendre. Non, je vais te donner un peu. Non, je prends. Ne tenez pas compte de ce que je raconte. Très cher, mets-toi là. D'accord. Très cher président, très cher vice-président numéro 2, il y a des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler. Voilà. Et donc, on dit des choses qu'on regrette après. Oui, je regrette, hein. Voilà. Je regrette même amèrement. Je t'ai dit de me laisser parler. Voilà, parle. Et donc, président, oui. C'est tout à genoux. Que je viens vers toi. Oui. Elle a été vexée. Présenter même. Les excuses du vice-président numéro 1. C'est ça. Ouais. Et il regrette, vraiment, il regrette. Je regrette, hein? Ce qu'il a dit là, ça ne vient pas de lui. Voilà. C'est ça. Président, tu sais, pendant les campagnes, là, il y a des adversaires qui lancent des sorts. Oui. Qui lancent des trucs. Oui. Donc, ça peut faire que. L'autre perd la tête. J'ai perdu la tête. Et il est remonté contre lui-même. C'est gens qui le protègent. Donc vraiment, voilà. Tu vois, c'est des choses qui arrivent, président. Oui. Président, tu te rappelles, au Parlement, quand Charlotte a envoûté pendant une session. Voilà. Tu n'étais pas toi-même. Tu te rappelles, non? Tu n'étais pas toi-même. Oui. Donc oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Donc vraiment, il demande pardon. Il demande pardon. Il faut que ça sorte aussi de ça. Mais, non, il va dire. Oui. Moi, je parle d'abord, après lui, il va dire. Mais, concernant tout ce qui va être prélevé pour manquement et tout, il n'est pas contre. Oui. Ça, il m'a dit, il n'est pas contre. Oui. Mais, non, président, ça me fait rire. Moi, comme je te connais, et que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui aime profiter des situations,
pour te faire de l'argent et tout ça, tu ne vas pas gâter ton nom en prenant de l'argent dans l'argent. De... Voilà, c'est ça. Mais maintenant, il va présenter ses excuses. Oh. Hein? Il va présenter ses excuses d'abord. D'accord. On commence par la dame. Non, je vais répondre d'abord. Oh, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, faut répondre. D'accord. Cher Digbeu, oui. J'ai bien entendu les nouvelles que tu as amenées humblement. J'ai bien vu ta position qui t'a coûté de te mettre à genoux. Je sais que tu es un honorable et le fait que tu ailles jusqu'à te mettre à genoux pour ton camarade, c'est que la raison est sincère. Voilà. Et qui dit sincérité dit vérité. Oui. Et qui dit vérité avouée dit pardon à moitié. Non, à moitié pardonné, même tu es pardonné. Tu es pardonné. Ouais. Mais l'autre moitié, c'est les 30%. Ok. Que le que normalement, voilà. On doit prendre. Oui, oui, normalement. C'est la dîme. Oui, oui. C'est oui. Pour que les esprits positifs, oui, oui, oui. Qui ont combattu les esprits malfaisants, oui, 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 oui. Et donc qui ont eu la victoire, oui, que oui. J'ai entendue par ta bouche. Oui, oui. Donc, au lieu de 30%, on va prendre 15% pour les esprits positifs. Et les 15% donc, restants restent. Reste dans la mallette. C'est déjà bon. Voilà, donc ceci étant dit, tout le monde étant d'accord, il a la parole. D'accord, donc tu vas être bref et tu vas présenter tes excuses. D'abord, du palais. Pour l'accusation que tu as portée à l'égard de Charlotte. Et maintenant, tu vas présenter tes excuses au président. De l'humiliation. De l'humiliation. Parce que je me suis mis en bas là-bas. C'est ça, exactement. D'accord. On commence par Charlotte. Honorable Charlotte, bon, toi-même tu sais qu'au Parlement ici, au bureau exécutif, c'est toi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et puis pour ton mari, le général aussi, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et tu me connais, je ne suis pas impoli d'habitude. Et tout ce que j'ai dit, il ne faut pas tenir compte de ça parce que ça ne vient pas de moi. C'est les sorciers de mon village qui passent par ma bouche pour parler. C'est eux, ils sont tellement impolis, ils disent des trucs. Moi-même, souvent, mes oreilles entendent, mais je ne peux pas bloquer ça. Tu vois? Donc, vraiment, je me mets à genoux, je te demande pardon. Je te demande pardon, ça ne va plus jamais se répéter. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Président, honorable président, le président le plus intelligent, le plus exemplaire, le président de tous les parlements d'ici au Gondwana. Président de toujours. Président de toujours, président, un jour président à vie. À vie. Et j'ai beaucoup d'estime pour toi et beaucoup de respect pour toi, pour tout ce que tu fais pour ce pays. Tu travailles nuit et jour avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Merci. Et toi, tu as beaucoup de soucis pour le bien-être de tes administrés. C'est vrai. Et que nous sommes. Donc, vraiment, je me mets à genoux pour te demander pardon. Pardon du fond du cœur. Ne tiens pas compte de ce que les sorciers de mon village sont passés par ma bouche pour dire. Ce n'est pas moi-même. Mais vraiment, il faut me pardonner. Je voulais vraiment me joindre à vous. Avant de t'asseoir, je pense, Président, que il est de mon devoir de respecter la hiérarchie oui. En remettant le budget de l'honorable Gourou, oui. Premier vice-président, oui. À son deuxième vice-président, ou bien sa oui. Deuxième vice-présidente, oui. pour lui mettre. Voilà. C'est le droit de hiérarchie. Voilà. Voilà. Ouais, dis merci. Voilà. Ouais, tu peux t'asseoir maintenant. Attends. Donc, le pardon est une vertu sur 360 degrés. Tu as humilié mon directeur de campagne, Boukari. Tu as mal parlé aux soldats sans grade d'AO, donc tu dois leur demander pardon. Je vous demande pardon. Voilà. Je m'excuse. Hein? Laissez tomber. On n'a qu'à aller devant. Hein? Voilà. Merci. Voilà. Merci. Maintenant, soldat, il faut dire au directeur de campagne, Alain Lucas, qu'il est réengagé. Oui. Il est reconduit. Oui. Qu'il il est reconduit. Ouais. Il est reconduit. Honorable Dubé, oui. je
Puis-je récupérer mon téléphone? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Alors, ce qu'on doit faire, donc, on a enregistré. Il est devenu poli, d'ailleurs. Oui, il est poli, oui. Tu peux t'asseoir, mais on va célébrer ça avec un spot de campagne. Charlotte a enregistré son spot de campagne. D'accord. L'honorable Digbeu l'a fait. Oui. Moi, je l'ai fait depuis 2-3 jours. Oui. Il ne reste plus que toi. Mais avant cela... Non, t'inquiète. Tu vas faire un clip? Président, c'est ça, tu parles doucement là. Moi, je suis un chanteur. Hein. Moi, là, tu sais, Zouglou, Zouko, Rapo, tout ça, Zigribiti, Lava Lava, tout ça là, moi, je chante. Alors, si c'est un clip là, moi, je vais chanter. Donne-moi un micro, vous allez voir. Alors, on va faire ça, tu vas donc faire la première partie de mon meeting. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu vas chanter, mais pour le moment, on va faire un spot de campagne. D'accord. Où on va haranguer les électeurs et leur montrer la solidarité. Oui, bien d'accord. sûr. Donc, on va faire un clip qui va montrer notre... Ouais, notre on fait ça où? Ici, tu vois, là-bas. Les caméras sont bien positionnées. Ah, Charlotte. Mais où est-ce que tu vas avec ta mallette? Dépose ta mallette là-bas. Ici. Oui. À côté de notre. C'est sécurisé. On a laissé nos mallettes. Boukari, c'est le bureau exécutif seulement. Tu dis quoi? Je vais te gifler. Je vais te gifler. Boukari, tu n'es pas du bureau exécutif. Allez, dégage. Ça y est, tu recommences. Tu es réintégré, ça y est, tu redeviens nerveux maintenant. C'est lui qui me provoque. D'accord. Alors, on oublie tout ça. Charlotte, on va utiliser ton décor, tu permets? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de pas donc, de c'est pour montrer... Le président, on va enlever la chaise. Hein, non, ça me sert. Tu vois, je... Ah, ok, ok. Hein, okay. Non, ça va être... Non, c'est un président. D'accord. C'est quand même un président. Ok, donc je fais ça. Voilà, tu vois. C'est bien. On va enlever le café de goût, là. Oui. Oui, moi, je n'ai même plus besoin. S'il vous plaît. Son café, là, n'est même pas fort. C'est pas un bon café, même. Alors, tu vas te calmer, oui. Je suis calme. Tu es devenu décorateur. Oui, mais président, tout est décalé, c'est pas bon. Faut vous montrer que tout est voilà. On regarde la caméra. Oui, là. Alors, l'équipe technique, vous me dites action, j'y vais. D'accord, ok. Vas-y, je suis un professionnel. Hein. Oui. Action. Chers électeurs, bonjour. Je suis le président du Parlement de la République très très démocratique du Gondwana, votez pour la vice-présidente, l'honorable Charlotte. Bonjour, je suis l'honorable Charlotte. Je vous demande de voter pour l'honorable Digbeu. Bonjour, je suis l'honorable Digbeu. Je vous exhorte à voter pour l'honorable Gou. Bonjour, je suis l'honorable Michel Gou, premier vice-président du Parlement. Voilà, le parlementaire le plus intelligent. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. On dit, on peut reprendre pour lui, là. On prend la mallette, là. On peut reprendre. D'accord. Bonjour. Attends, il va te dire action. D'accord. Action. Bonjour, je suis Gou. Premier vice-président de notre Parlement, et je vous demande de voter tous pour notre cher président Maman, pour la bonne marche de notre pays, notre cher pays, le Gondwana. Merci, chers électeurs. Votez pour Gou, votez pour Charlotte, votez pour Digbeu, votez pour le président. Votez pour le bureau exécutif. Merci. Merci. On a gagné, hein? On va gagner. On va gagner. Non, ça là. Ça, c'est un fou. C'est dangereux. Ouais.